Départ pour Lima. Mais que moi. Elle part en première. Et moi je vais à New York. Et on se retrouve à Lima. Mais ouais. Du coup on passe 24 heures l'un sans l'autre. Ça va être trop dur. Non, elle, elle est heureuse. Elle est trop heureuse. Ça va me faire des vacances là. Chillax comme ça. Oh la conne. Lorsque je suis parti pour Londres, j'avais prévu mon voyage jusqu'au Canada en passant par Dublin et New York City. Mais pour la suite, c'était flou. L'Amérique latine m'attendait, mais je ne savais pas par où commencer. Puis Naïs m'a appris qu'elle partait 3 semaines au Pérou pour sa pause entre ces 2 semestres. Je l'ai donc suivie, et c'est ainsi qu'a débuté ma visite en Amérique latine. De retour dans les vlogs de Mathilde. Bonsoir. J'ai retrouvé Naïs qui est arrivée hier. J'ai failli ne pas survivre aux premières 24 heures. Voilà. Pour raconter, je me suis fait presque kidnapper par un taxi à l'aéroport qui m'a coincé dans une petite rue et qui m'a demandé de payer très très cher. Mais ça a été une reine et ouais. Elle a payé cher, tête. Mais moins cher. J'ai tenu tête. Vraiment. Et il a failli me prélever mes organes, mais finalement tout va bien. Tout va bien. Allez, voilà. Regardez, elle est entière. Je suis là. Entière. Bravo. Allez, se balader dans Lima. Il y a un côté rassurant de partir avec une amie proche dans un pays inconnu. Comme si un bout de mon chez-moi m'accompagnait. Le fait de voyager seul me terrifiait. Mais n'y étant pas encore confronté, j'ai remis ma peine à plus tard et profite de la suite de mon voyage aux côtés de ma nana. Donc nous voici, tout frais, pour commencer notre première étape, la capitale du Pérou. Nous sommes dans le centre. C'est la Basilica Santuria Santa Rosa. Santuria Santa Rosa. MDR, c'est quoi ce petit déhanché là? Oh là là. Notre repas de ce soir. Oh là là. Oh là là. Là vraiment, waouh. Ouais. En plus, pour 1 ou 2 euros, je crois. Franchement. Pas mal. Quiero fumar un pétale? Si, si. Si la familia. Si la noche. Si la vida. Si la mort. J'ai dit tous les mots que je savais dire. Bebo leche, mujeres. Bebo leche, mujeres. Voilà, deuxième jour au Pérou. On est à Lima toujours. On a fait le check-in ce matin et vers midi on va prendre le bus pour le centre. On va aller prendre le bus à 13h pour aller à Paracas. Et oui, parce que faut pas chômer, hein, on a pas mal de destinations à faire au Pérou. Après ces 2 jours à Lima nécessaires à l'immersion en douceur dans ce pays qui était le Pérou, et mettre en pratique mes cours d'espagnol du collège-lycée. Nous voici en route pour la suite, qui promet déjà d'être fantastique. Je viens d'arriver à Paracas, et du coup, je suis juste là. Du coup, je vais poser mes affaires, et on va aller à la piscine. Ma chambre est littéralement là. On a le petit bar juste ici qui est très sympa. Et regardez-moi la mer qui est là. Regardez-moi ça, c'est beau. Vie de star un peu. Hein. Petite piscine. Piscine tranquille au bilou. Elle a bien. Hein. Elle a bien. On se met bien ici. Mon premier étonnement en tant que voyageur était les bas prix des hostels. Je dépensais en général entre 5 et 15 euros par nuit. Certes, j'étais en dortoir, mais je peux vous dire qu'un hostel au bord de la plage avec piscine et petit-déj, j'en demandais pas tant. Et donc nous voici à apprécier ce premier coucher de soleil au bord de l'océan Pacifique. On était heureux de retrouver la mer, enfin, l'océan. Carapulca, spécialité
péruvienne. Naïs crash test. Oh, on va se régaler. Magnifique. Petite glace pour finir le repas. Et généralement, ces hostels organisaient beaucoup d'événements pour le plus grand plaisir de nous, les backpackers. Enfin, on va danser la bachata. C'est posé sur mes jambes là. Tu vas danser ? Hein ? Tu vas danser ? Ouais, bien sûr. Mais il me faut une partenaire pour la bachata. Ouais. Un shot est généralement offert pour tous ceux ayant à participer à l'événement. Après l'effort, le réconfort. Parfait. Oh, les lunettes. Ça fait très daron. Bref, jour 3 au Pérou. Aujourd'hui, on a loué les vélos. Et on va aller faire un tour de la réserve naturelle de Paracas. Star, en fait. Star. Voilà, et après cet après-midi, on va prendre le bus pour aller à... Enfin, à côté d'Ika, Wakachina. Ah, Wakachina. Wakachina. C'est parti. Petit sandwich de poisson pour reprendre les forces. Très bon, comme vous pouvez le voir. Un endroit magnifique. Oui, magnifique. Ouais, j'avoue, j'avoue. Avec les lunettes en plus, c'est un style. Aux confins du monde. Dis-moi, ma Joconde, si tu préfères l'hiver quand son parfum t'inonde. Comptes-tu les secondes? Le chemin retour après manger. Après ton somnifère. Ouais. Mais je pense que le chemin retour va être très difficile. Tu restes bloqué dans le temps. Tu ne fais plus que semblant. On a quitté Paracas. Nous voici en route pour Wakachina. Une petite heure de bus avec la nana. Bonjour Naïs, reportage. Nous voici dans notre troisième chambre à Wakachina. Waouh. Mais c'est waouh. C'est qu'un imaginaire. Et t'étais où hier sur la piste de danse? Mais en fait, j'étais là, c'est juste caché. Ah, tu voulais pas me voler la vedette en fait. Exactement. Attends, je vais juste montrer le petit lit. Du coup, moi j'ai le lit en haut là.
Et Maïs, elle avait lu là. Regardez, elle a mis Kiki. Kiki, il est posé, c'est bon. Et donc là, on est dans notre nouvelle hostel. Hostel. Et, regarde les petits beds. Oh le feu! C'est vraiment une dinguerie cette hôtel. On a moi, des... je suis fan. On va passer notre journée ici demain. Demain, c'est la journée repos ici, libre. Vraiment. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas se baigner. On est là toute la journée. C'est vrai. Regarde. Là. Et l'événement du soir dans cet hostel était. Petite karaoké. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Fun fact, la fille en arrière-plan, juste à droite, a sauvé la vie à Anaïs 2 semaines plus tard lors du Salkantay Trek. Ça a pas trop marché l'ambiance. On a essayé, non, mais on a franchement... tout donné. On a gagné un shot parce qu'on a chanté. Allez. Moi je pense qu'on a été bons. Je pense qu'on a été les meilleurs ce soir après. Après voilà, le jury s'est retourné. Ouais. Ouais. En vrai, il s'est pas retourné, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important c'est de participer, je pense. C'est ça. Réveil 5h, on voulait aller voir le lever de soleil. Et là il y a une fucking dune en face de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pire c'est que hier on lui a demandé genre où est-ce que le lieu parfait pour voir le lever de soleil ici. Elle m'a dit oui, vous allez au bout de la rue à droite et vous montez la petite dune. La petite dune. Allez, bon bah let's go hein. Vraiment. Vraiment. Donc là notre ascension du matin, en fait c'est la dune qui est en face de nous. C'est vraiment ça. Haute. Et je sens aussi grande. Vraiment. Ender, on s'est fait des petits amis. Good morning! Petit réveil assez sympa. Après avoir monté la dune. Elle a bien. Petite piscine. Franchement, c'est cool. Aujourd'hui, journée détente. Ça, c'est cool. Bravo, Nelly. Elle a bien. Elle a bien. Petite sieste dans le bed avant d'aller manger à midi. C'est vrai qu'il y a, mais c'est pas bien. Petite balade dans Wakachina. On est en train de chercher où est-ce qu'on va manger. Oui, parce qu'on a faim. On va manger. Regarde-moi ces fleurs.
Bref, nous voici dans le petit resto du midi. Non mais regardez-moi ce chibre. Eh ben monsieur, on cache bien son jeu. Gros chibrax. Petite entrée, c'est des tequeños. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Regardez, c'est du fromage qui coule. Généralement ici dans les restos, ils amènent une boisson. On avait l'habitude du thé, mais là, c'est une boisson énergisante. Ça fait trop du bien, mais c'est frais. Oui, c'est frais et ça va nous donner de l'énergie pour l'après-midi qu'on va passer chill. Ah voilà. Nos affaires sont prêtes. On retourne à Ika pour prendre le bus de ce soir pour aller à Arequipa. Bye bye belle piscine. Bye bye belle dune de sable. Mais pas bye bye nice parce qu'on part ensemble. C'était vraiment j'ai trop. J'ai pas envie de quitter les dunes. Je comprends. Petite pause avec les dunes. C'était trop beau. Oui. En direction de Arequipa. Yeah. Vraiment, petit brunch à notre arrivée parce que Naïs se sent pas bien. Non. Une chasse en plus. Mais du coup, là, c'est quoi des petits pancakes fraises chocolat? Ouais, c'est là, incroyable. Infusion de coca parce que ça aide pour le mal de montagne. Ouais, soit tu les mâches, soit tu le bois en infusion. Voilà, ça va devenir une grosse droguée à la fin du voyage. Je sais que j'ai vite regardé, genre c'est quoi les effets négatifs de la coca, et j'ai vu addiction à la cocaïne. Et moi je me suis pris des petits croissants sucrés, fraises Nutella, banane peanut caramel, et ça c'est crème papaye je crois. Ok, donc là je fais une petite pause dans le vlog pour notre premier soir à Arequipa, faut que je vous explique. En fait Naïs elle se sentait toujours pas bien vers 18h, du coup elle est partie faire une petite sieste pendant que moi je profitais du rooftop et des happy hour. Et vers 20h elle m'envoie un petit message, elle a faim et elle aimerait bien manger du riz parce que bah, son transit voilà. Quand t'as la chiasse c'est bien efficace. Petite rime, ouais je sais, je suis fort. Et du coup il y avait un petit resto asiatique juste en face de l'hostel, je suis allé lui chercher du riz. Et elle a mangé et ensuite elle est directement allée se coucher. Et moi pendant ce temps-là, du coup, j'étais toujours sur le rooftop pour profiter de la soirée. Et j'avais rencontré un couple de Péruviens hyper sympas qui m'ont proposé vers 22h d'aller en boîte. Ce à quoi j'ai dit bah ouais, carrément. Je suis juste passé au dortoir voir si Naïs dormait bien. Et son rideau de son lit était fermé, donc je me suis dit bah nickel, j'y vais. Et du coup, on sort et en fait, il faut sachez que je n'avais pas de carte SIM au Pérou. Du coup, j'avais pas de 4G. Et donc... Quand j'étais en dehors de l'hostel, sachant que j'avais pas de wifi, personne pouvait me contacter ni quoi que ce soit. Et en rentrant vers minuit, je vois 10 appels manqués de Naïs. Je fais wesh, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir dans son lit, elle est plus là. Il y a plus ses affaires, rien du tout. Je lui envoie un message, je fais oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va et tout, t'es où? Elle me dit oui, ça va un peu mieux, mais j'ai une grosse crise de tourista, vomi, enfin bref, la totale, je vais pas rentrer dans les détails.
Et se sentant vraiment pas bien, elle a décidé de changer d'hostel pour avoir une chambre au calme, une chambre seule. Et parce qu'il y avait toujours la musique sur le rooftop, et vu qu'elle n'arrivait pas aussi à dormir à cause de la musique, il fallait qu'elle change d'hostel. Du coup, voilà ce qui s'est passé, et je m'en suis énormément voulu. C'est pourquoi le lendemain, je suis directement allé chercher une carte SIM pour qu'elle puisse me contacter à n'importe quel moment. Hello. Je sens pas très bien aujourd'hui. Nana, on pense qu'elle a la tourista, pas ouf. Et moi j'ai une gastro, mais je vomis pas, mais... Et j'ai un peu bu hier. Du coup, là c'est repos. Je suis allé manger avec un Français que j'avais rencontré la veille. Et ensuite je suis allé visiter le Mercado d'Arequipa. Les Mercados sont des marchés permanents. J'ai trouvé ça dans chaque grande ville d'Amérique latine. Et peu importe ce que tu cherches, il y a de tout. J'adorais y acheter mes fruits et légumes à un prix vraiment pas cher. Par contre, pour ce qui était de la viande, je m'y aventurais pas. Avec Nana, on s'est rejoint ce matin et on a fait le musée sur les Incas, qui était très intéressant. Il y avait une momie à l'intérieur. Voilà, et après on a refait le Mercado vu qu'elle l'avait pas fait hier. Et c'est cool, elle se sent mieux, mais elle est à l'approche de ses règles, du coup elle est un peu irritable. Mais voilà, du coup moi je me suis pris un petit riz avec du poulet. Et je suis allé à ce parc, on devait manger ensemble avec Naïs dans ce parc, mais du coup je vais manger tout seul. Il est super mignon, il est grave coloré, attendez je vais vous montrer. J'ai rencontré ce groupe de Français lors du dernier soir à Arequipa. On les reverra dans la suite du vlog. Je vais faire le check-out à l'hôtel de Arequipa. Arequipa m'a surtout été une pause, parce que bah, pour Naïs c'était nécessaire, et en vrai même pour moi ça m'a fait du bien. Donc voilà, là je pense que je vais rejoindre Nana, et si elle se sent, ce soir on prend le bus pour Cusco. Nana est de retour. Voilà, après 3 jours, comatage, ouais. Lit, vomi, diarrhée, voilà. Tout ce que tu veux. Voilà, ça va un peu mieux. Et on mange dans un resto, yes. 20 sols, c'est-à-dire même pas 5 euros. J'ai emmené découvrir ce petit resto et on a changé de plat, on a pris des lasagnes à la verdura. Et Nana, elle a pris un petit gratin de pâtes avec de la viande, mais qu'on va partager du coup, parce que ça a l'air hyper bon. Repos. Petite boisson bien fraîche. Regardez-moi. Santé. Et moi je me suis pris un petit tasty mangue. Ah pardon. Je pensais que tu voulais faire chill avec la cam. Santé. Moi c'est un jus d'herba buena. Voilà. Voilà. Qui a des vertus apparemment quand t'as la chiasse. Toute ma vie tourne autour de la chiasse pour 3 jours. Vraiment cet épisode, je pense que je vais. Juste le passage par équipage. Est-ce que tu l'as expliqué dans ton vlog que tu m'as abandonné? Non. Pendant que j'étais en train de mourir? Non, je fais pas les choses que je fais mal, je le dis pas dans le vlog. Clap de fin sur le stop d'Arequipa. Voici arrivé à Cusco en un seul morceau. Et là on va aller se reposer. On a 3-4 jours avant le Salcantay, donc ça va. Petite crêpe bretonne au Pérou. Tout va bien. Premier repas à Cusco. Ouais, regardez-moi cette petite vue, sympa. Pour notre premier jour à Cusco, nous avons visité un peu la ville. Située à 3400 mètres d'altitude, on ressentait un essoufflement rapide lorsqu'il fallait monter 4 ou 5 marches.
C'est des grêlons. C'était la saison des pluies au Pérou, mais on ne l'avait pas ressenti avant d'arriver à Cusco. Vive la pluie! Le retour des petits moves de danse de nana. Bon, tout va bien. Et on voulait surtout être sûr de pouvoir faire le trek parce que... Ça. En fait, je vous explique, je suis un peu une fille fragile. Non, en vrai, je suis pas fragile, c'est juste que bah, avec la tourista que j'ai eu il y a 2-3 jours, on est arrivé ici, l'acclimatation, ça a été dur. Yes. J'avais des grosses douleurs au cœur. J'ai cru que mon cœur il allait mourir. Ouais. Et du coup, là, c'est revenu les douleurs au cœur, donc on s'est dit, bah, on va peut-être appeler les médecins pour faire pour un voir petit si check, mon taux d'oxygène quoi. Il est cool et tout. Ouais. Enfin, si on n'a pas de quoi s'inquiéter. Et on n'a pas de quoi s'inquiéter. Ils m'ont filé une boisson électrolyte, donc de devenir électrique. MD. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est bon, on a le feu vert pour le sale coltail. Tout va bien. Juste prendre des shots d'oxygène si jamais tes douleurs au cœur reviennent, mais c'est tout. Ouais, non, mais on achètera de l'oxygène demain. Voilà. Ouais. La veille de notre départ pour le trek, petit entraînement. Nous sommes montés jusqu'au Mirador du Cristo Blanco. Oui, au soleil, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Non. Sur une petite explication, c'est juste que j'ai chopé des gros coups de soleil sur les épaules en arrivant et que c'est le seul t-shirt qui me couvre les épaules que j'ai acheté ici. Enfin, j'avais que des débardeurs. Non, mais t'es une grosse dégueulasse, t'es une grosse dégueulasse. Non. Une fois tous les 8 jours. Ça, c'est des pierres Inca. Dans l'ancien temps, ils utilisaient leurs outils pour faire des pierres. Et si vous regardez bien, la découpe est juste parfaite pour qu'elle s'emboîte parfaitement. C'est cette perfection qui a fait que ça a réussi à tenir dans le temps. Que ça a réussi à résister aux tremblements de terre, tout ça. Prends des forces. Pour Naïs, le Salcantay Trek était la raison principale de son voyage au Pérou. Un trek de 5 jours, passant par des montagnes, lagunes, jungles, cascades, rivières, bref, des paysages à couper le souffle, et qui se finit à l'arrivée par la visite du Machu Picchu. Donc nous voici dans un collectivo direction la première étape du Salcantay Trek, Sorai Pampa. Voilà, on est arrivé à la première étape à Sorai Pampa. Comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. On est allé poser nos affaires à notre auberge, quelques feuilles de coca pour notre Naïs, et nous voici en route pour la Laguna Umantay. Une autre vitesse pour aller plus vite. Waouh! Hyper vitesse! Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and I'm white, stuck doing snow and oh. That we fade unlike, honey, I know. Hey, when we walk down the road, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Y'a un peu plus haut. Oh,
causes of a price. And I know to spend the hardest days. Let's slow the ma jument en redescendant. Elle kiffe les gratouilles, regardez. Elle s'est arrêtée de manger juste pour les gratouilles. Voilà, donc ce soir, dodo ici. Et demain, on part prendre cette route-là. Voilà. Vous êtes à côté de nous pendant 2 heures. Elle a tenu le crachoir de... Et voilà, un repas fait, ils seront s'endormis juste au milieu du pas. Première nuit, on est dans des dortoirs. Nana est juste en dessous. Il est actuellement 19h19, je touche toujours sommeil à 21 ans. Et voilà, je pense qu'on va pas tarder à se coucher parce que demain, le petit déj est à 5h30. Ce qui est hyper tôt, mais d'un autre côté, on a genre 9 heures de marche qui nous attend. Du coup, voilà. Bonne nuit. Réveil 5h, petit déj 5h30. Je me réveille dans le même cadre idyllique que hier. Voilà. On part par là-bas. Et là, c'était là où on était hier. On voit plus rien. Je pense qu'on va partir vers 6h, 6h15. Honnêtement, ça va. Je pensais que j'allais être un peu plus crevé que ça et que j'allais pas réussir à trouver le sommeil hier soir. Mais je me suis endormi assez rapidement, en vrai, parce que j'étais KO. Et voilà, et puis là, plus qu'au Salah, c'est la plus grosse journée aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça qu'on part très tôt. Et je pense que ce soir, on va pas faire long feu non plus. La deuxième étape est connue pour être la plus difficile du Salkantay Trek. 22 km de marche, 800 mètres de dénivelé positif pour arriver à 4600 mètres d'altitude, proche des montagnes enneigées Turkaway et Salkantay. Et ensuite, 1800 mètres de dénivelé négatif, que mes genoux se souviennent encore. On attaque la deuxième grosse montée. Sur la dernière montée là, avant de faire que de la descente pendant 4-5 heures. On est à 4629 mètres avec le petit groupe. C'est ça qui est cool, on nous avait prévenu. On part à 2, on part à 3 avec Arwan. On se retrouve à 5 dans le Cominoto. On a retrouvé 4 autres Français, maintenant on est 9. C'est trop cool. Les copains, ils sont là-haut. Les deux Français et Nana. De toute façon, là, je pense qu'on va pas tarder de faire une pause. Parce que généralement, c'est ce qu'on fait. On trace, on s'écarte tous parce qu'on prend chacun notre rythme. Et après, on fait une petite pause pour se retrouver. Voilà. C'est trop, trop chouette. Je suis trop heureux d'être là. Ça fait trop du bien. T'es mal à la taille de la bête. Ça va, ma belle? Mon beau. Ah ouais, plus mon beau, hein. Oui, mon beau. Coucou. Comment ça va? Bah oui. Oui. Tu vas... Attention, tu vas tomber. Oui.
Nous voici arrivés à Cholet. On est un peu plus loin que Cholet, genre à 800 mètres plus loin. Et parce qu'on nous a conseillé un petit hôtel, regardez. Le lit de Naïs, mon petit lit. Le tout pour 50 sols, avec le dîner, le petit-déj, une douche chaude, parce qu'hier j'ai pris une douche froide, c'était terrible. Et le wifi. Du coup, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Du coup, on va bien se reposer parce que là, qu'est-ce qu'on a marché? On a fait 22 km, ce qui est énorme. Mais c'était trop, trop beau, trop, trop cool. Mourir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super. On est bien là. J'ai plus de jambes. C'est oui, bon. Moi non plus, j'ai plus de jambes. C'est cool. Pour ne pas gagner, j'ai tant pleuré. De quoi? Le Machu Picchu? Pour t'ignorer, j'ai vu l'amour. Ciao l'hôtel. Dans ce détour, je ne l'ai pas pris. Voilà, jour 3. Aujourd'hui, on a 18 km. J'ai voulu voir, j'ai voulu croire ce qu'il n'y avait pas, ce qu'on ne pouvait pas avoir. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a le temps. Oh, il y a les gens. J'ai vu, j'ai cru pouvoir tout faire, tout voir avec mon espoir. Et maintenant, yes. Tous en maillot, mais sur cette plage, j'ai si froid. Je sais, tu ne viendras pas. Tu es si loin. L'homme de la situation. Sac de nana, mon sac. Faut qu'on aille trouver un ventre. Regardez, j'ai des gros biscottos et tout, genre. Là, on est vraiment dans la jungle, j'adore. Nana se sentait pas bien au moment où s'est arrêté chez le monsieur pour manger. Et on est redescendu en urgence pour retrouver nos deux amis français qui sont médecins. Il nous a dit que tout allait bien, mais juste qu'elle était sûrement en train de faire un malaise vagal, ce qui n'est pas très grave, mais voilà, il faut juste rester allongé et faire plein en sucre et en sel. Elle s'est pas assez nourrie ces derniers jours et c'est sûrement pour ça que là, elle tire trop sur son corps et c'est vraiment pas bien. Donc voilà, donc je pense que là, on va rester au calme ici, on va se prendre une petite chambre, petite sieste cet après-midi et refaire le plein d'énergie, on va manger plein de choses. Donc voilà. Et j'espère qu'elle se sentira mieux demain, mais je veux pas non plus prendre le risque parce que là, heureusement, ça nous est arrivé dans un village où il y avait du monde et entre guillemets, elle a pu se ressourcer en sucre, tout ça. Mais si ça nous serait arrivé en plein milieu de la jungle, ce serait chaud, genre. Petit chat qui me tient la compagnie pendant que je bois mon café. D'ailleurs, c'est un café qui est fait ici. La dame m'a dit que c'était ses grands-parents qui cultivaient le café non loin d'ici et depuis ils ont gardé la tradition de faire leur café. C'est la première fois que je bois un aussi bon café au Pérou et franchement ça fait plaisir. Du coup j'en ai repris un deuxième.
Ce soir, je vais pas dormir, mais c'est pas grave. El gato? Jour 4. Bon, du coup, hier, Nana, j'ai cru vraiment qu'on allait l'emmener à l'hôpital. Elle m'a fait trop peur. Mais elle a repris des forces et elle se sent mieux aujourd'hui. Du coup, les 20 km qu'on devait faire entre Lucma, Bamba et Aguascaliente, on va aller faire... on va faire une partie en voiture, en collectivo, pour aller jusqu'à Hydroelectrica. Et ensuite, de Hydroelectrica, on va marcher 10 km jusqu'à Aguascaliente. Normalement, c'est que du plat, donc ça devrait le faire. Mais bon, Nana, elle a repris des forces, mais pour les jours précédents, je pense pas. Enfin, pour aujourd'hui, il va falloir que, bien qu'on mange à midi, elle a bien déjeuné ce matin. C'est parti. Après avoir fait la partie du trajet en voiture, nous nous sommes arrêtés pour manger un bout à Hydroelectrica. Mais Naïs se sentait toujours pas bien. Elle voulait vraiment arriver jusqu'à la fin du trek et visiter le Machu Picchu le lendemain. Elle m'a dit de prendre la décision entre marcher les 10 km restants ou rentrer à Cusco. J'avais vraiment peur pour elle. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision la plus raisonnable. Rentrer à Cusco pour qu'elle se repose avant qu'elle rentre jusqu'au Canada. Mais je dois avouer que c'était vraiment difficile de prendre cette décision parce que juste ne pas venir à bout de ce trek et visiter l'une des 7 merveilles du monde qui est le Machu Picchu, enfin, c'était un peu le but ultime de ce trek aussi et on n'en est pas venu à bout. C'était vraiment une question de santé, surtout que Naïs, pour ceux qui la connaissent, c'est une femme qui vient toujours au bout de ce qu'elle entreprend. Mais là, quand la santé est en jeu, on ne pouvait pas faire autrement en fait. C'était trop dangereux de continuer. Et bien sûr, quand j'ai pris cette décision, elle m'a dit qu'une chose. Je reviendrai faire ce trek, et cette fois jusqu'au bout. 2 jours plus tard, je l'ai accompagnée prendre son vol retour depuis Cusco. Après 1 mois et demi de vie commune, c'était très difficile de lui dire au revoir. Et je dois avouer que j'ai même lâché ma petite larme à l'aéroport. Et me voici maintenant continuer l'aventure seule. Je savais que ça allait arriver, mais j'y étais pas du tout préparé. Parce que voyager avec les amis est une chose que j'adorais et qui me réconfortait. Mais le voyage seul en était une autre, et c'était une première pour moi. Me retrouver seul à découvrir et visiter des endroits extraordinaires et finalement partager ces moments juste avec soi-même, c'est une chose tellement belle, mais effrayante au premier abord. Et c'est en fait lors de ces moments-là que t'en apprends vraiment sur qui tu es. Parce que t'as pas d'autre choix que de t'en remettre à toi-même. Tu partages ces moments avec toi et c'est tout. Enfin, je le fais à travers le vlog, mais c'est... Sur le moment, il y a juste moi et mes pensées et voilà, on vit le truc, je suis pas là en mode oh, « t'as vu, c'est extraordinaire avec Naïs ou qui que ce soit. » C'est moi maintenant qui ai décidé sur ce que j'allais faire pour la suite. Ma prochaine destination, ma prochaine activité. J'étais maître de la suite de mon voyage. J'ai donc passé 2 jours dans mon hostel à Cusco sans sortir, histoire de digérer l'information, le tournant que mon voyage allait prendre à partir de maintenant. Je me suis dit que j'allais passer la fin du mois à Cusco, c'est-à-dire 1 semaine, histoire de me reposer et de faire mes plans pour la suite. Et puis j'aimais vraiment cette ville, il restait quelques trucs à visiter. Et d'ailleurs, je me suis vite rendu compte que lors d'un voyage solo, on n'est jamais vraiment seul. Elle, c'est Garance. Un brin de folie débarquant dans ma vie tel un ange pour me réconforter. Elle faisait partie du groupe de Français que j'avais rencontré à Arequipa. Et lorsqu'elle est arrivée à Cusco, elle m'a envoyé un petit message pour aller faire la fête. Par la suite, j'ai passé pas mal de bons moments avec elle et tout le groupe. Le temple de la lune, qui est en vérité plus un site mortuaire et temple du soleil, mais bon. On mange des empanadas, c'est ça? Trop bon. Et c'est quoi la viande déjà, le nom? J'ai oublié. L'homo saltado. Homo saltado. L'homo. L'homo. L'homo saltado. L'homo saltado. Ok. Ouais. En gros, c'est de la viande. Je crois que c'est un peu mariné, mais je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, c'est très bon. On avait méga faim, parce qu'il est 15h. On voulait un truc cochon, on l'a eu. Exactement. Notre toutou, on l'a adopté. Ça va, tout va bien? On dit, c'est un peu
problème et on prend la voiture. Ils avaient pris un Airbnb pour leur semaine à Cusco, j'ai donc passé pas mal de temps. On va plus jamais chez lui. C'est loupé là qui t'a coupé, je suis sûr. Garance a essayé tant bien que mal à m'apprendre à jouer de la guitare. Franchement, je me sens draguée là. C'est très drôle à voir. Là, je fonds d'amour. C'est faux. Majeur index. Attends. Majeur index. Non, attends. Majeur index. Comment je fais moi? Comme ça. Alors. C'est un truc comme ça. Tac, tac et tac. Je sais pas si c'est vraiment le placement, mais c'est ça. Mais à côté. Ah. Voilà. Bouge tes doigts comme ça. Tac. Ah là, c'est bien là. Nickel. Ah, t'es sur un ré. Ok. Et là, tu fais quoi? Que les cordes, que celle-là. Ah ouais, mais non, mais là, tu peux pas me demander de sélectionner les cordes bah avec si. Ma main droite. Non, juste en dessous, l'annulaire. Ah. Voilà. Ah, ça, c'est facile ça. Ouais. En fait, c'est genre bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Faut que ta main, elle fasse ce rythme-là. Non, t'as l'envers. Ah, ça me frustre pour toi. Et je coupe là-dessus. Vas-y, donne. Tu lis pas. Yes. Right now you show so very loved and how to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Durant la semaine, nous sommes partis visiter le village d'Ollantaytambo. Et par chance, le jour où nous avons voulu visiter ce petit village, c'était le jour où avait lieu le festival du fruit. Plusieurs vendeurs de fruits étaient présents, mais aussi des personnes vendant des spécialités d'ici. On s'est régalé. Et par la suite, nous avons visité des ruines incas, Pinkuyuna. Et nous sommes rendus sur le chemin retour à la cascade de Perolniok. Et le chauffeur, Louis, nous a accompagnés jusqu'à la cascade. L'eau était gelée. Ça fait du bien. Ça réveille. Yeah. L'eau était hyper gelée. D'habitude, je suis frileux, hein, vous me connaissez, mais là, c'est franchement juste le cadre et cette cascade. J'étais obligé de me foutre sur l'eau. La sensation de liberté, juste de lâcher prise, et ça fait tellement du bien. Non, c'était trop trop bien. Je suis trop heureux. Ok, il est 3h42. Là, je vais rejoindre Garance là où elle dort pour qu'on vienne nous chercher. L'agence de tourisme vienne nous chercher. Et que... Waouh! Attendez juste 10 secondes, regardez-moi. Vous voyez cette rue? Normalement, il y a toujours du monde. Et là, il n'y a personne. Ça fait trop plaisir. Bref, on va y avoir un petit truc sympa aujourd'hui.
aujourd'hui. Ce matin, j'ai dormi 4 heures. Bref, normalement ça vaut le coup, donc venez avec nous. C'est parti. Putain, non mais cette rue, c'est juste dingue. Et juste là, vous avez la pierre des 12 angles. Parce que je peux pas la filmer, à chaque fois, il y a trop de monde. Apparemment, elle aurait de l'énergie qui dégagerait cette pierre, je sais pas, mais... Très connue. Les gens qui disent, ouais, levez-vous tôt pour voir les sites touristiques, beaucoup moins de monde et tout. Bah, les gens ont raison, hein. Il y a personne et j'apprécie tellement mieux ma balade dans Cusco qu'en pleine journée, et sous un soleil... Et bon, là, je suis un peu fatigué, mais genre, vraiment, genre, c'est la première fois que je sors dans la ville, je suis pas là en mode. Ah non, mais il y a les meufs, elles vont me dire au revoir, elles vont me dire massage, massaresse, ou on va venir me vendre des dessins ou de la drogue, tu vois. Donc, ah non, là, j'apprécie ma petite balade du matin. Mais regardez-moi cette rue qui est tout le temps animée, je vous mettrai une parallèle avec eux. En pleine journée. Rien à voir. Nous voici dans le bus. Direction la montagne des 7 couleurs. Du coup là on va sur le mont Vilcunga, connu pour être la montagne des 7 couleurs. Donc là on va aller prendre le petit déj. Il est 5h30. C'est l'heure pour aller manger. Ouais, vraiment. Ça change pas de l'hôtel. Donc je suis content. On est plus très loin. Je crois qu'on est à 4300 mètres d'altitude. On peut voir des monts enneigés là-bas. C'est hyper beau. Voilà. Il y a quelques couleurs qui se dessinent. Toi, c'est Seigneur, c'est pas moi, ça te dit. C'est pas nous. Viens. Laisse-toi. Le minibus nous a laissé ici. Et maintenant, on a une petite heure de marche. Le manque d'oxygène, c'est faire sortir, quoi. Vraiment. Mais bon. La bouse. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a tellement de touristes que ça me donne pas envie de monter. Genre, on dirait une fourmilière. Ça m'angoisse. Mesdames et messieurs, la cordillère des Andes. Ça m'en plein de monde. Ouais, comme tu dis. Calice. Tellement plus beau, regardez-moi ça. Bref, nous sommes un peu... Nous sommes un peu des gens anti-touristes en fait. On fuit la foule. Chocolat à l'herbe de coca. Ah. Ciao. Ok, je vous explique. Du coup, là, on est bien rentré. On a dormi quasiment tout le long dans le bus, ce qui était à prévoir après avoir dormi 4 heures. Ok. Et bref, et du coup, là, arrivé à Cusco, je suis rentré à l'hôtel. Garance est rentré aussi à l'appart. Et. Du coup là je suis rentré à l'hôtel, je suis allé charger mes affaires sales pour faire une machine chez les poteaux à leur Airbnb. Et en fait là aujourd'hui on est le 31 janvier et c'est l'anniversaire de Victoria, donc c'est l'autre fille qui fait partie du groupe D5. Et moi, genre je leur ai dit déjà semaine dernière, enfin quand ils sont arrivés à Cusco et que je les ai vus, je leur ai dit vous avez un four parce que j'ai trop envie de faire un gâteau depuis je sais pas combien de temps. Et là ce matin Garance elle me dit ah mais c'est l'anniversaire de Victoria et tout machin. Et je lui ai dit mais une pierre deux coups, je fais le gâteau pour son anniversaire, genre trop bien. Et du coup voilà, là je suis parti, je vais faire des petites courses et ensuite je vais me mettre au fourneau pour faire
je pense, des coulants au chocolat, si j'arrive à trouver tout ce que je veux. Parce que c'est un peu mon gâteau préféré. Et on a demandé à son copain en Soum Soum. Et il a dit que Victoria kiffait les gâteaux au chocolat. Donc je pense que ça devrait lui faire plaisir. Comme vous voyez, comparé à ce matin, il y a beaucoup plus de monde sur la pierre au de ce coin. C'est bon. Bref, c'est pas du tout pareil que ce matin. Comme vous pouvez l'entendre, on propose des massages à tout bout de champ. La place des armes, remplie. Ça va pas mal. À voir ce que ça va donner une fois que ce sera cuit. Hein? Waouh. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Victoria. Joyeux anniversaire. Facile. 24 ans. À 24 ans. À 24 ans. C'est une réussite. Bravo. Merci. 10 minutes plus tard. Une heure plus tard. Bon, j'avoue, j'en ai pas mal mangé. Je l'ai dégommé. Si. Papa. Elle part faire le sale cantail. Mais madame, par entente. La bosse. Putain, Stéphane. Ouais. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So what, we go out. And let me get a lighter. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Living young and wild. Keep that in there. Prêt pour le sale cantail. Et voilà, mes derniers instants au Pérou à Cusco. Dernière petite balade dans cette ville, après avoir dit au revoir à Garance, partant pour le sale cantail trek. J'ai ramené toutes mes affaires au Airbnb. Je passe ma dernière nuit à Cusco avec les copains du coup. Vu que Garance elle est partie au sale cantail, je prends son lit pour une nuit. Voilà, j'ai ramené toutes mes courses. Comme vous voyez, j'avais fait des courses de 20 balles, bah, il me reste toujours 4 patates, sauce tomate, plein de trucs, franchement c'est grave cool. Donc là je vais bien cuisiner, je vais me faire plaisir, je vais bosser un peu aussi aujourd'hui. Parce que j'ai un peu délaissé le montage pendant une semaine là on va dire. Mais bon, ça va bien se passer. Voilà. Je continue à vlogger, c'est plus important. Clap de fin sur le Pérou. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura mis du temps à sortir, je sais, mais comme vous pouvez le voir, il fait une heure. Donc, comment vous dire qu'en plus de continuer à voyager, bosser sur le montage, les voix off, bref, tout ça, ça prend énormément de temps. Et je voulais pas non plus me forcer à sortir rapidement le vlog parce que c'est pas non plus ce que je cherche. Genre, je veux pas me sentir mal parce que j'ai rien sorti pendant 2 mois. C'est pas non plus dans cette optique-là que j'ai lancé la chaîne YouTube. C'est juste pour vous partager et moi aussi garder des souvenirs à travers ces vlogs. Prochain épisode sûrement dans un petit moment. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu. Et histoire de me donner de la force pour le montage de la suite. Parce que j'en ai vraiment besoin. Bref, bisous, je vous love. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.